Bonjour, Laurence, co-créatrice de Je clique naturel, le guide en ligne de la vitalité. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 sons du Tao. C'est une pratique corporelle douce, très facile à mettre en place, qui peut même se pratiquer assise sur une chaise. Vous commencez à nous connaître chez Je clique naturel, c'est justement ce genre de petites choses qu'on aime bien vous transmettre pour que vous puissiez impulser, intégrer dans votre quotidien des choses faciles, que vous puissiez les mettre en place pour que ça commence à bouger, que vous sentiez de l'énergie à nouveau dans votre corps pour vivre libre dans un corps heureux. Cette pratique très ancienne combine le pouvoir vibratoire de certains sons à des postures et à des visualisations. D'ailleurs, au début, attachez-vous beaucoup plus aux visualisations plutôt qu'aux postures. Ces visualisations vous permettent de vous connecter à une énergie particulière et vous pouvez essayer de ressentir, quand vous visualisez, ressentir au fond de vous, dans votre centre intérieur, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous baignez dans cette énergie. Comment vous vous connectez aussi à tout ce qui vous entoure une fois baigné dans cette énergie. Ces sons sont de véritables sons de guérison car chaque son renforce un organe particulier dans notre corps. Je vous conseille de les pratiquer d'ailleurs plutôt en fin de journée. C'est une excellente façon de calmer le tumulte de votre journée et de retrouver un système nerveux en position neutre afin de passer une très bonne soirée. Dans cette vidéo, je vais donc pratiquer chaque posture, chaque son, 9 fois. Vous pouvez aller jusqu'à 36 fois, puisque ces postures se pratiquent par multiples de 9. Le 9, c'est le chiffre du feu. C'est le chiffre qui va permettre de mettre du feu en vous. On rentrera dans le détail de chaque posture, mais au début, vous les visualiserez une par une avec le son associé. Comme ça, vous aurez la vision globale. Tao signifie cercle, cheminement, comment cela se déroule dans l'univers et les parties de nous reliées à l'univers. Par là, les 6 sons du Tao sont une forme de bénédiction de l'univers. C'est pourquoi vous reliez profondément à l'énergie et aux qualités apportées par chacune des visualisations et les laisser se diffuser dans tout votre corps est essentiel pour en ressentir les bienfaits. Il y a un son, un mouvement, une saison, une couleur, une visualisation et une émotion pour chaque organe. Ces sons et postures vous équilibrent et renforcent votre énergie vitale de manière très profonde. Asseyez-vous sur une chaise, au bord de la chaise, les pieds à plat au sol et parallèles, les genoux écartés à la largeur du bassin. Ce son est associé à la couleur blanche, à l'automne et renforce l'énergie des poumons. En inspirant, remplissez les poumons avec les mains. En expirant, levez les bras au-dessus de la tête, paume vers le ciel et produisez le son bouche ouverte vers le haut. Pendant que vous faites cela, connectez-vous à l'énergie de l'air blanc pur des glaciers, à l'espace infini qui se trouve dans votre thorax. Prenez votre place en vous et dans le monde. Ainsi, vous renforcez votre courage, votre estime et votre joie de vivre.
Asseyez-vous au bord de la chaise, les pieds à plat au sol et les genoux serrés. Ce son est associé à la couleur bleue, à l'hiver et renforce l'énergie des reins. En inspirant, montez les mains depuis la terre le long des jambes jusqu'aux genoux et croisez les mains pour tenir les genoux fermement. Inspirez dans vos reins, sentez qu'ils se remplissent. En expirant, tirez sur les genoux, cambrez au niveau des reins et relevez le menton pour produire le son. Pendant que vous faites cela, connectez-vous à l'énergie de l'eau bleue pure de la rivière, celle qui élimine les peurs grâce à son courant, celle qui donne confiance et de nouveaux repères. Appuyez-vous sur vos reins, ils sont comme un soutien de douceur qui vous porte dans la vie. Asseyez-vous au bord de la chaise, les pieds à plat au sol et parallèles, les genoux écartés à la largeur du bassin. Ce son est associé à la couleur verte, au printemps, et renforce l'énergie du foie. En inspirant, montez les mains depuis la terre le long de la jambe droite et amenez cette énergie montante vers le foie. Remplissez-le de cette énergie. Puis, élevez les bras au-dessus de la tête et penchez-vous vers la gauche pour étirer le côté droit, tout en expirant avec le son. Pendant que vous faites cela, connectez-vous à l'énergie de la sève verte de printemps, celle du renouveau, de l'élan, de la vitalité, celle qui transforme la colère en action. Asseyez-vous au bord de la chaise, les pieds à plat au sol et parallèles, les genoux écartés à la largeur du bassin. Ce son est associé à la couleur rouge, à l'été et renforce l'énergie du cœur. En inspirant, absorbez l'énergie de la lumière rougeoyante du soleil couchant et remplissez-en votre cœur. Puis élevez les bras au-dessus de la tête, penchez-vous vers la droite pour étirer légèrement votre côté gauche, pour offrir au cœur davantage d'espace et expirer avec le son. Pendant que vous faites cela, connectez-vous à l'énergie chaude et rougeoyante de l'été. Laissez-vous embrasser par cette chaleur aimante. Remerciez la vie de vous avoir donné la vie et votre cœur de vous garder en vie. Ouvrez-le et faites profiter les autres de cette vibration extraordinaire qu'est la gratitude.
Asseyez-vous au bord de la chaise, les pieds à plat au sol et parallèles, les genoux écartés à la largeur du bassin. Ce son est associé à la couleur jaune et ocre de l'intersaison et renforce l'énergie de la rate, de l'estomac et du pancréas. En inspirant, montez les mains depuis la terre le long de la jambe gauche. Remplissez la rate de l'énergie de la terre nourricière. Puis, pressez les doigts sous les côtes et contre la rate en vous penchant vers l'avant et expirez avec le son. Pendant que vous faites cela, connectez-vous à l'énergie ocre et or de la terre, celle qui nourrit, enracine, rassure. Laissez-vous bercer par ce va-et-vient pour que le corps se détende et puisse évacuer tous vos soucis. Allongez-vous, rassemblez vos jambes et pointez légèrement les pieds. Cette posture peut aussi se faire assis ou debout. Ce son équilibre et harmonise le tout. En inspirant, montez les mains lentement vers le sommet du crâne, puis expirez le son tout en descendant lentement les mains du sommet du crâne vers le bas du corps, comme un balayage. En faisant cela, harmonisez tous les étages de votre corps. Quand vous inspirez, inspirez l'énergie de la terre par le périnée et faites monter cette énergie jusqu'au-dessus de la tête. Puis expirez-la le long de votre colonne, jusque dans votre bassin et lâchez vos toxines, vos pensées négatives, tout ce que vous ne voulez pas garder en vous. Rendez-le à la terre, elle saura quoi en faire, elle compostera. Petit à petit, laissez-vous imprégner par le nectar de la transformation. Ressentez comme c'est bon de sentir cette énergie vitale, ce cadeau de la vie.
Voilà, maintenant vous savez pratiquer ces postures, ces sons. Bien sûr, vous pouvez y revenir quand vous voulez dans cette vidéo et intégrer ça petit à petit à votre rythme. Mais pour rappel, le plus important, c'est surtout l'énergie que vous sentez quand vous prononcez les sons, quand vous vous connectez à la visualisation, quand vous faites les postures. Il y a quelque chose qui va commencer à s'imprégner en vous, une énergie qui va couler dans tout votre corps. Essayez de vraiment sentir qu'est-ce que ça fait dans votre atmosphère intérieure quand vous vous connectez à ces visualisations, à ces postures, au ressenti de votre corps. Laissez-vous baigner, laissez votre totalité de votre corps baigner dans cette énergie et connectez-vous à ça. Vous allez voir que c'est ça la puissance des sons du Tao, plus que les postures en soi. C'est comme une sorte de méditation en fait. En les pratiquant régulièrement, vous développerez petit à petit le pouvoir auto-guérisseur de votre corps et vous vous reconnecterez à la vitalité originelle de vos cellules, celle que vous avez reçue dès la naissance. Et pour terminer, j'aimerais bien remercier les personnes qui m'ont transmis les 6 sons du Tao. Quand j'ai pu commencer à intégrer ça dans mon quotidien et à vraiment ressentir qu'est-ce que ça fait au fond de moi de me connecter à cette énergie, celle dont je vous expliquais, celle liée à ces visualisations. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans ces 6 sons. Alors voilà, à mon tour, je voulais vous les transmettre à ma manière, donc en vidéo. Et si autour de vous, vous avez quelqu'un à qui ça peut faire du bien aussi, n'hésitez pas à lui transmettre à votre tour cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt naturellement.